alors pratiquer la cuisine d'Antonin Carême. Considéré comme le concepteur de la haute gastronomie, Antonin Carême fut le premier cuisinier à porter l'appellation de chef. Début du 19e siècle, Talleyrand lui confie la réalisation de menus prestigieux à sa table, renommés dans toute l'Europe. Et là, nous sommes dans le château de Talleyrand. Donc Antonin Carême est officier ici pour Talleyrand. Et cette recette, donc nous, les tables gourmandes du Berry, avec mes collègues, chaque premier jeudi du mois, avons pour mission de refaire une recette d'Antonin Carême. Et donc, moi, j'ai choisi de travailler les escargots. Tout le monde a l'air d'apprécier. Et puis c'est agréable de montrer aux enfants ce qu'est la cuisine aussi, de leur faire découvrir un petit peu. Bonbons d'escargot, ail et persil aux chèvres frais de Valençay pour revisiter une recette de 1814. Boudin de poisson au beurre d'écrevisse présenté par Antonin Carême en 1853. Pour le troisième rendez-vous des Jeudis Gourmands au château de Valençay, les cuisines ont attiré les visiteurs. Mais fromagement, il n'y a rien de spécial. Du sel, du poivre, de l'ail et du persil, tout simplement, et la ciboulette. Je n'étais jamais venue et c'est vraiment une belle découverte parce qu'on a un château dans notre région que je ne connaissais pas du tout et franchement, j'ai été très agréablement surprise. Donc on termine la journée avec cette initiation à la cuisine. Au retour de vacances, oui, je pense que ce sont des recettes que je referai avec plaisir. Est-ce que vous pensez qu'on mangeait aussi bien dans les châteaux? Non. D'accord. Vous attendiez à le manger? Plutôt du poisson saumon normal. Voilà, normal, classique. C'est un peu plus simple. Qu'est-ce qui vous a surpris? C'était de la bonne cuisine, c'était tout bien parfait. Il y avait beaucoup de choses bien précises. Voilà. Une recette historique avec dégustation pour le public, une formule qui fonctionne. Et si les matériels ont beaucoup évolué en 200 ans, les recettes anciennes sont toujours d'actualité. On peut s'en servir comme base, oui. Bon, il faut quand même les modifier par rapport à l'époque. Parce que bon, à l'époque, quand ils faisaient un menu, ils avaient 15 ou 20 plats dans les menus. C'était des menus énormes. Actuellement, on ne pourrait pas les réaliser. Donc elles ont été adaptées pour notre époque. Mais toujours en gardant l'originalité de la recette. La recette est telle qu'elle a été réalisée par Antonin Carême. L'opération menée par les restaurateurs des tables gourmandes du Berry se terminera le jeudi 3 octobre. Prochain rendez-vous le 1er août à 15h pour des recettes de la cognette et des saisons gourmandes.